Dortmunds bester Torschütze ist aktuell nicht der Größte auf dem Platz, sondern der Kleinste, Rafael Guerreiro. Bereits 3 Hütten nach dem Restart und sein Treffer am Wochenende war schon Saisontor Nummer 8, neue persönliche Bestmarke. Ja, yeah, c'est vrai que je suis en forme en ce moment avec mes 8 buts, je suis très content forcément et la saison n'est pas encore finie, il reste 7 matchs. Après voilà, si je suis décisif pour l'équipe tant mieux, mais je me focalise pas sur ça, mon objectif c'est pas de marquer des buts, c'est de faire des passes à mes coéquipiers donc voilà, après je prends avec plaisir le nombre de buts et voilà. Sein Treffer in Wolfsburg eigentlich logisch. Hier erzielte er sein allererstes Bundesliga-Tor und bei insgesamt 5 Spielen gegen den VfL holte Guerreiro 5 Siege mit 5 Scorerpunkten. Ouais, on peut dire que c'est un peu mon équipe favorite en Allemagne parce que voilà, j'ai été décisif souvent contre eux, mais aussi c'est, je crois que l'un de mes premiers matchs titulaires en Bundesliga aussi, je crois, c'est peut-être le deuxième. Donc ouais, ça représente beaucoup pour moi. J'ai aussi des copains qui jouent là-bas, il y a Jérôme Roussillon et Marcel Tisserand. Donc voilà, ça représente beaucoup pour moi de jouer contre eux. Même mon fils, à chaque fois, il me dit « Ah, t'aimes bien jouer contre Wolfsburg ?» À chaque fois, il me le répète. Encore hier, quand je suis rentré chez moi, il était content de me voir et de me dire que j'ai encore marqué contre Wolfsburg. Freude aber nicht nur beim Sohnemann. Auch Cheftrainer Lucien Favre gerät regelrecht ins Schwärmen, wenn er auf den spielfreudigen Portugiesen angesprochen wird. Der Rafa spürt einfach den Fußball. Wenn er gehen muss, und er hilft, wie sagt man, die Offensivaktion. Er spürt das sehr, sehr gut und er ist vor dem Tor sehr, sehr geschickt. Er hat einen sehr guten Schuss und er spürt das letzte Moment, wenn er gehen muss. Weil wenn wir sehen wieder die Aktion, die führt zum 1-0, wir werden sehen, er hört auf zu laufen und nachher, er spürt, es geht weiter und er läuft weiter in der Strafraum. Also das mit dem sehr guten Schuss haben wir verstanden. Aber wie bitte spürt man Fußball? Rafa, könntest du uns Laien dieses Sports einmal helfen? Ouais, je pense qu'il parle par rapport à mon jeu et peut-être à mon intelligence aussi sur le terrain, parce que voilà, dès qu'il y a un partenaire en difficulté, j'essaie de trouver une meilleure position pour qu'il puisse jouer avec moi, lui donner une solution et aussi. Je vois beaucoup les déplacements de mes partenaires et j'essaie de jouer le plus simple possible. Et voilà, après, ça paye en ce moment. Après, il y a eu des matchs où c'était plus compliqué, mais voilà, je suis très content de ma façon de jouer et je suis très content que le coach pense ça aussi de moi. Auffällig beim Sieg in Wolfsburg, die Tore erzielen die Außenspieler Guerreiro und Hakimi. Seit der Systemumstellung Ende November kommen die zwei auf satte 8 Tore und 11 Vorlagen. Zahlen, die Bedeutung ihrer Position unterstreichen. Ouais, c'est vrai que dans notre style de jeu, on est très important pour l'équipe. C'est nous qui, on va dire entre guillemets, on essaie de créer les décalages et lancer les actions. Donc forcément, on peut être amené à être décisif plus souvent que d'habitude. Quand on joue par exemple en 4-4-2 ou 4-3-3, c'est plus compliqué pour nous parce qu'on doit rester derrière. Il y a déjà beaucoup de joueurs devant. Mais voilà, on prend notre rôle avec plaisir et ça se voit sur le terrain quand on voit Achraf courir aussi vite qu'un lièvre, voilà, il est plus rapide que tout le monde, on a juste à lui mettre la balle et on sait que ça va être une occasion très dangereuse pour l'équipe. Moi après, mon style de jeu c'est plus de jouer dans l'axe, mais voilà, on a des qualités différentes, mais on a beaucoup de rendu sur le terrain tous les deux. Die gefährliche Flügelzange beim BVB wird auch im Topspiel am Dienstag ein großer Faktor sein. Und Rafa, man mag es kaum glauben, steht vor seiner Bundesliga-Heimpremiere gegen die Bayern. Traumtor in München hin oder her, der Liga-Primus ist der einzige Verein, gegen den der 26-Jährige noch keinen Punkt geholt hat. Ouais, c'est vrai qu'on est très motivé pour le match de mardi, moi personnellement aussi, parce que voilà, je joue pas souvent contre le Bayern, donc aujourd'hui je pense que j'ai la chance de pouvoir jouer, de démarrer le match et de montrer à tout le monde que j'en suis capable. Après, c'est surtout le travail de l'équipe qui va être important. Il va falloir essayer de marquer des buts rapidement. À chaque fois, quand on va chez eux, ils nous mettent une raclée un petit peu, je vais dire. Mais
Et voilà, on peut leur montrer à domicile qu'on est capable de le faire, même si nos supporters, on va tout donner. On a gagné la Super Coupe en début de saison, donc forcément, on va être motivé de jouer contre eux à domicile. Et on a le championnat à aller chercher à la fin de la saison, et ça passe par une victoire contre le Bayern. Sinon, on va dire que c'est pas fini, mais pratiquement. Nicht nur der Supercup, auch die jüngsten Leistungen dürften Zuversicht vermitteln. 6 Punkte und 6:0 Tore in den ersten beiden Spielen nach der zweimonatigen Zwangspause. Die gute Form, keine Selbstverständlichkeit. Bah, je pense qu'on a beaucoup travaillé pendant cette pause, on va dire. On n'a jamais lâché, même si on travaillait par 2, par 4, après par 8. Voilà, on a toujours donné le maximum sur le terrain, essayé d'être concentré, et on savait qu'au bout d'un moment la Bundesliga allait reprendre et qu'on allait être prêt. Et après, forcément, sur le premier match contre Schalke, par exemple, on ne savait pas si on était capable de tenir 90 minutes, mais voilà, au vu du résultat, on l'a prouvé et on savait qu'on pouvait le refaire aussi après ce match. Apropos Corona. Die Pandemie hat an vielen Stellen ihre Spuren hinterlassen, bei zahlreichen Fußballern vor allem in puncto Frisur. Auch unsere Nummer 13 kommt neuerdings mit ungewohntem Kurzhaarschnitt daher. Aus Verzweiflung oder als Kampfansage? Non, j'ai juste coupé mes cheveux comme ça, parce que voilà, avec la pause, on ne savait pas quand on allait retourner chez le coiffeur. Donc j'ai coupé, ma femme a un peu fini derrière. Mais là, après, ça fait du bien de revenir comme ça. Et je pense que je vais garder les cheveux courts comme ça maintenant. Wir hätten nichts dagegen. Und ganz ehrlich, so wie es aktuell bei Rafael Guerreiro läuft, sollte er nie wieder einen Friseurtermin bekommen. Selbst ist halt der Mann. Auf dem Platz wie auf dem Kopf.